Merci. Je m'appelle Moussa Konaté. Je suis ingénieur résident de la FAO au niveau du bureau pays du Burkina Faso. Alors, à notre niveau, le véritable défi qui se pose à nos projets, c'est la collecte et la maîtrise des eaux de surface. Nous sommes dans une zone sahélienne où nous avons l'eau de 3 mois de saison. Et après ça, il y a beaucoup de difficultés pour pouvoir mener des activités agro-pastorales. Et alors, pour résoudre effectivement ces défis, et le projet s'est mis comme objectif de réaliser des boulis. Les boulis, ce sont des ouvrages de collecte des eaux de surface et qui peuvent collecter l'eau de 20 000 à 40 000 mètres cubes, donc pour pouvoir assurer une certaine résilience et travailler après au niveau après l'hivernage. Et donc, le projet a réalisé 6 boulis qui ont pu bénéficier à 1200 ménages. Donc, pour pouvoir amener des productions et maraîcher culture, notamment au niveau des femmes et des jeunes. Alors, au niveau effectivement des succès et des moins succès, ce qu'on peut dire, c'est que le ciblage certainement n'a pas été tout à fait rationnel parce que. Vu le volume d'eau qu'on pouvait collecter au niveau de ces ouvrages, et le nombre de bénéficiaires s'est avéré assez insuffisant. Donc pour les prochaines fois, il va falloir mieux déterminer effectivement le nombre de bénéficiaires et puis maintenant dimensionner les ouvrages en conséquence.